gens, c'était Liam, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne personnelle les gars. Aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale comme vous l'avez vu au tri, je ne vais pas acheter WW2. Les gars. Aujourd'hui en gros, je vais vous donner mes impressions sur le jeu, si oui ou non. Pour ma part, je vais l'acheter. Avant qu'on entame le sujet de la vidéo, si on peut obtenir les 500 likes en l'espace de 24 heures les gars, ça me ferait super plaisir. Si vous êtes capable de me les mettre, bah les gars, je vous sors directement une deuxième vidéo demain, comme ça, ça vous fera super plaisir. Si vous êtes capable, bah bombardez-moi la part des pouces bleus. Les gars, montrez-moi que vous êtes présents. En ce moment, je commence un petit peu à démotiver, je vous trouve moins actif et tout. Vraiment, montrez-moi que vous êtes toujours là, les potes. 500 likes, je sais que vous en êtes capable. Vous me les mettez demain, je vous sors une nouvelle vidéo, les potes, ça ferait super plaisir. En tout cas, je compte vraiment énormément sur vous. Bref, comme vous l'avez vu au sujet, est-ce que je vais acheter WW2? Oui ou non. Je vous ai pas trop parlé du jeu, j'ai fait très peu de stream dessus, pas de vidéo dessus. Aujourd'hui, je vais y répondre un petit peu. Pour ma part, j'ai joué un peu à la bêta, j'ai quand même joué pas mal, mais je l'ai pas très bien non plus énormément. J'ai fait très peu de séries dessus, j'ai pas de nuke, et etc. Bon, ça c'est pas le principal, mais je vais vous dire un peu ce que j'en pense par rapport à ce jeu, voilà, à cette bêta. Pour ma part, le jeu, je l'aime bien, sans plus. Donc oui, je vais vous répondre direct, oui, je l'achèterai quand il sortira. Et évidemment, je suis un fan de Call of Duty, même si par moments ça me saoule un peu. C'est vraiment le jeu auquel je joue depuis des années et des années, donc vraiment, oui, je l'achèterai comme tous les Call of, même si peut-être que je tryharderai pas comme IW ou Ghost, ces jeux-là que j'ai pas trop joué, bah je l'achèterai dans tous les cas, c'est sûr et certain, je le sais d'avance. On dit toujours tous, au prochain code j'arrête, je ne l'achèterai pas, etc. À chaque fois, on succombe, on l'achète, et puis voilà. Mais bon, voilà, je vais vous dire un peu ce que j'en pense par rapport au jeu. Pour ma part, je suis mitigé, voilà, le jeu, je vais pas dire clairement que je le déteste, non, c'est pas vrai. Je vais pas dire que je le kiffe non plus, parce que je le kiffe pas énormément, même si j'aime bien, tu vois. Je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, pour ma part, le jeu, franchement, ça change totalement de Black Ops 3, je vous jure, les gars. Waouh, j'ai grave eu du mal pour... Enfin, j'ai pas joué énormément, j'ai joué quand même pas mal, mais par rapport à énormément de joueurs performance et tout, je pense que je n'y ai pas joué énormément. Sur les 4 jours de la bêta, le premier jour, j'ai joué pas mal, le lendemain un petit peu, après le lendemain encore un peu, et le dernier jour, j'ai pas du tout jouer à la bêta, je crois. Non, il y a 5 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'ai joué un peu le jeu, pas mal le jeudi, pas mal le vendredi, le samedi, pas énormément. Dimanche non plus, et le lundi, pas du tout. Donc, bref, j'ai pas très non plus le jeu. Ouais, je suis niveau 25, mais bon, les niveaux, c'est assez relativement facile à passer, mais j'ai pas joué énormément. Je suis pas bon dessus, clairement. Ouais, enfin, non, si, je me débrouille, mais par rapport aux autres joueurs performance, non, je suis pas bon, j'ai pas de nucléaire, etc. Parce que j'y ai pas assez joué par rapport à tout le monde. Mais ce que j'en pense du jeu, c'est que il y a des bons trucs dedans, clairement, il y a des bons trucs. Ça fait un peu plaisir de retrouver un Call of un petit peu plus simple que les autres Call of Duty, ça on va pas se mentir. Ça fait plaisir de retrouver un Call of au sol, mais pour ma part, par rapport à des jeux comme Rainbow 3 ou Black Ops 2, je trouve que c'est assez difficile à prendre en main, c'est pas du tout pareil. Voilà, j'ai eu du mal en tout cas, surtout au début. Après je me suis amélioré vers la fin que j'y ai joué, je devenais quand même bien meilleur dessus, mais il faut vraiment adopter un style de jeu que pour ma part j'aime pas forcément. Moi je suis plutôt du style, surtout avec Black Ops 3, Black Ops 2 et tout, le Hater, etc. Même le 3 avec les atouts spécialistes, j'ai vraiment du style à rusher énormément quand même, on va pas se mentir, j'aime bien rusher, prendre mes duels, etc., enchaîner les kills. Et sur World War 2, c'est vraiment un style de jeu pour ma part à la Ghost, un petit peu pareil, tu vois, tu dois vachement jouer stratégique, adopter des bons déplacements, etc. Pas prendre des duels contre 3 mecs qui sont face à toi, non, t'as aucune chance de faire une trip. C'est pas du tout le style de jeu que j'aime jouer, tu vois. Moi, je vais pas mentir, je me trouve assez bon à Call of, mais c'est vraiment un style de jeu où j'ai du mal parce que c'est pas ma façon de jouer de base. C'est pour ça que je jouais vraiment très peu à Ghost, pour ma part d'ailleurs. Même si Ghost, par rapport à ça, c'était plus facile d'enchaîner les kills et tout, j'avais du mal parce que j'aime pas les jeux où faut plus la jouer statique, moins bouger, vraiment communiquer avec ses ennemis, avec ses alliés, etc. Que sur BO3, t'es là, tu sors le hater, c'est bon, t'as plus besoin de personne, t'enchaînes les kills, tu prends tes duels, etc. Et c'est vraiment un style de jeu que j'ai du mal à jouer. Je trouve que les grenades sont trop puissantes sur le jeu. Ça, c'est vrai que c'est assez chiant. Après, ce que j'aime bien sur le jeu, c'est qu'au final, au niveau des classes, t'as bien moins de combinaisons que sur tous les autres codes. Et ça, c'est pour ma part, j'aime bien. J'aime bien, je trouve ça plus simple, etc. Pour faire les classes, c'est assez cool. D'autant que les trucs, pas les spécialistes, mais les trucs qu'il y a au début, ça, c'est assez cool. Avec des niveaux, enfin, en gros, des sortes de compétences et tout. Ça, pour ma part, j'aime bien. J'aime bien. Au niveau des streaks, il n'y a pas énormément de streaks. Mais d'un côté, c'est pas si dérangeant que ça. Je trouve pas mal le drone, ça, c'est cool. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir un hater parce que clairement les jeux avec le hater c'est là où tu prends le plus de plaisir, t'enchaînes le plus les kills et tout, donc voilà, ça au niveau de ça c'est cool. La vie pour ma part, elle est bien, je trouve la vie, on met pas de balles, mais on met pas non plus énormément de balles. En tout cas la vie pour ma part ça me va, je trouve ça pas trop mal.
Qu'est-ce que je pourrais ajouter le plus? Au niveau de la communauté, ouais, c'est vrai que c'était le premier week-end de la bêta, ça tryhardait pas mal, je trouve quand même c'était assez difficile à jouer. Sur le jeu, vraiment en solo, c'est quand même dur, c'est quand même dur en solo. En groupe, ça peut passer, mais il y a énormément de rage quit, comme sur tous les Call of, malheureusement. Voilà, je sais pas ce que je pourrais ajouter le plus. En tout cas, moi, je vais pas dire que le jeu le déteste, non, c'est pas du tout la vérité. Moi, je suis plutôt du style, en vrai, je suis comme ça sur Call of. Au début, quand j'arrive pas sur un jeu, j'ai du mal à vraiment me motiver à devenir bon dessus et j'ai une mauvaise image dès le début. C'est pour ça que, par exemple, W, j'y ai presque pas joué, j'étais très mauvais dès le début, du coup je me suis pas donné la peine de devenir bon sur le jeu, alors qu'en soi le jeu est peut-être bon, tu vois, c'est un peu pareil pour Ghost. Non mais vraiment W2, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose, ça peut vraiment être cool. Ce qui me fait peur c'est au niveau de YouTube, ça a pas l'air de plaire énormément, que ce soit en stream, on voyait bien que ça marchait pas, niveau vidéo et tout, enfin je sais pas, on verra bien. En tout cas les gars, forgez-vous votre avis, vraiment ça c'est le plus important, quand le jeu sortira, n'écoutez pas tous les youtubeurs qui vous disent nia 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 le jeu est nul, forgez-vous votre avis. À la limite, n'achetez pas le jeu directement, jouez-y chez vos potes, etc. Ça, c'est vraiment important, ne vous fiez pas à l'avis des youtubeurs, vraiment faites-vous un avis constructif de vous-même. Donc voilà, ça c'est le plus important. Ne dites pas directement le jeu est nul parce qu'un youtubeur vous l'a dit. Pour ma part, je suis mitigé, je kiffe moyennement le jeu parce que je suis pas énormément bon dessus. Ça, c'est vrai que ça fait vraiment la différence. Un jeu où t'es bon dessus, même si tu le kiffes pas énormément, comme t'es bon dessus, tu vas avoir envie d'y jouer parce que tu sais que tu roules sur les ennemis, etc. Tandis qu'un jeu où t'es mauvais, même que ce soit le meilleur jeu du monde, bah peut-être que tu vas moins accrocher parce que tu te sens pas bon dessus. Et moi, en général, ça fait ça en tout cas. Donc bref, voilà, c'était un petit peu mon avis sur le jeu. Donc moi, à part, comme je vous l'ai dit, je vais l'acheter le jeu. Clairement, je vais l'acheter, c'est sûr et certain, c'est un Call of. Je joue qu'à Call of, donc oui, je l'achèterai, ça, je vais pas vous mentir, je vais l'acheter. Et puis voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Les gars, un maximum de likes, comme je vous ai dit, 500 likes, motivez-moi parce qu'en ce moment, je démotive un petit peu. Je vous trouve moins actif au niveau des streams, des vidéos et tout. Je sais pas, vous êtes plus là en ce moment. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Bref, un maximum de likes si vous mettez 500 likes. Allez, même 400 si vous mettez 400 likes. Je vous sors directement une nouvelle vidéo demain qui sera sur Black Ops 3. Une petite best class setup, ça pourrait être sympa et vous faire plaisir. Bref, je vais m'arrêter là, les gars. C'était Liam. Mettez-moi un petit commentaire dans la vidéo sur ce que vous en avez pensé. Moi, je vous laisse. Je vous dis à la fois prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement, peut-être à demain. Si bah vous mettez pas le nombre de likes demandé, bah je vous sortirai la vidéo un petit peu plus tard. On verra bien. Bref, c'était Liam, allez, ciao les gars!